Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pêche la carpe dans un étang qui se situe proche de la ville de Föhr, dans la région Rhône-Alpes. Alors c'est un étang où il faut payer une carte, 5 euros à la journée pour y pêcher. Il y a beaucoup, beaucoup de carpistes. C'est un étang qui subit beaucoup de pression de pêche et je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. C'est moi qui fais pour la soulever. Sinon ça se décrocherait pour mettre en bas. Non, faut prendre la canne s'il te plaît. Pour aller au tapis. Tu peux la poser maintenant. Tu peux la poser maintenant. Oui. Peser d'abord et après prendre en photo. La peser. Le sac fait 1 kg, donc elle fait 6 kg 10. Merci. Oui. Oui, tu peux poser, merci. Oui. Ouh, ça détache pas du tout.
Presque. Elle est énorme. Oh si. Non, 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 tu vas casser plus vite comme Mais ça. non, bah, Oh si. si un tartare, c'est pas pareil. Pas trop dur, là, tout ce qu'il fait. Oui. Tu me prends le portable, s'il te plaît, qui est... Ouh, ça, je crois que c'est un record, ça. Ah ben, elle est même pas piquée dans la bouche. Dessous. Déjà, je vais la peser. Enlève ta main. 9 kilos. Non, c'est pas possible. Si. Mais je sais lire quand même. Regarde. Non, non, c'est bon. Si, si. Il y a le truc, il fait 1 kilo. Tu vois? Oui, oui. Merci. Te baisser s'il te plaît. Et parce que de haut elle paraît plus petite. Oui. Très belle. Oui. Voici le montage. Il est composé d'un fil de chez Decathlon en 35 centièmes, d'un Leadcore Ace en 45 LBS, d'un clip plomb comme on connaît tous, avec un plomb corda, couleur
sable et vase, ça dépend. La tresse, c'est une tresse Starbait Superfloss. Après, on a un anti-tank sleeve de chez Fox en tungstène. Une attache rapide de Starbait Quick Change. Voilà, pour enlever le montage, pour vite l'enlever. L'hameçon, c'est un SB en taille V6. Et on a mis un line aligner ou un manchon pour qu'il y ait une pique plus agressive. Comme ça, quand la carpe est piquée, ça la pique directement dans la mâchoire. Bon, ben voilà le montage. Ah, ça c'est une carpe par contre. Oh, décroché. Il les a pas utilisés. Des Pingzi de chez Starbait, taille 14 mm. Du Babycorn de chez Decathlon. Un reste de bouillette Coco Banane Gulp de chez Berkeley. Et avec le Deep Coco Banane. Ce sont des très bonnes bouillettes. Elles sont, elles, en taille 16 mm. Oh. Tu me prends mon portable qui est à l'intérieur, s'il te plaît. Fait 4 kilos. Oui. Oui.
Oui. Oui. Ça là, tu vois? Oui. Allez, go. Merci. Encore là. Merci. Attends, laisse ça. C'est 7. Hein? 7. Tu me prends le portable s'il te plaît? Merci. Oui, depuis 7h30. Non mais ça fait quelques années que tu fais ça quoi. Oui, ça, depuis 3 ans. Ah, donc, ça se voit hein. Ah, il aime ça. Hein. Ah, celui-là, il est grand. Ouais, ça se voit. Hein. Il en a fait une de 9 kilos ce matin. 9 kilos ouais.
Bah oui, le plus possible. Ça prend à chaque fois? Ouais. Non, c'est bon. Oui. Et voilà, ma vidéo sur cet étang se termine. Alors on est sur un résultat plutôt satisfaisant parce que un lac sous pression de pêche qui a amorcé avec des dizaines de kilos chaque jour par les 15 pêcheurs de carpe qu'il y avait aujourd'hui par exemple, mais j'ai réussi à sortir 5 poissons. Bon, j'ai eu aussi à peu près 3-4 départs qui se sont décrochés. Je sais pas ce que c'était. Bon, ben voilà. Ben voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Salut!